Bien, Alex. Il y a de la perspective, hein. Ça commence du moment où tu fais de l'alpinisme ensemble ou du ski ensemble, du ski de montagne. Du moment où tu as besoin de quelqu'un d'autre pour progresser, tu vois, pour progresser dans les deux sens du terme, pour progresser là où tu veux aller et puis pour progresser toi-même, tu vois. Du moment où tu passes du temps ensemble en montagne, ouais, c'est une cordée. Faire le geste le plus propre possible dans des situations plus ou moins difficiles. En descente, la difficulté, c'est la vitesse, le terrain qui arrive très très vite, et on doit être propre. Et en montagne, c'est pareil, on doit être propre aussi pour éviter de se la coller. C'est le virage, c'est charger ses pieds. Voilà. Soit par un descendeur, soit par un grimpeur. Soit par un gros descendeur. Soit par un petit grimpeur. Oui. Mais petit, juste par la petit taille de ses cuisses. Mais costaud. Montagne, ça se prépare en amont, donc tu es obligé de préparer le matos, anticiper. Il faut que les deux aient tout. Tu peux pas partir en montagne si t'as pas un minimum de matériel. Si t'arrive quelque chose, tu vois, tu comptes sur qui tu vas pas compter sur personne. Et tu vois, comme tu vois, on est tout le temps en train de bricater des trucs. Donc c'est. Moi, j'essaye toujours du matos et puis j'ai toujours un petit kit de base dans mon sac à dos. Lui, pareil, s'il nous arrive quelque chose, on peut à peu près, normalement, s'en sortir un peu dans toutes les situations, quoi. Ça sera exceptionnel, le coup, on se fera avoir et qu'on n'a pas le... qu'on pourra pas se débrouiller tout seul, tu vois. Même si, des fois, il faut de l'aide extérieure. Ça, c'est notre problématique. Moi, en 20 ans, je touche du bois, il m'a encore rien arrivé. C'est dur de coûter. Et là, c'est puff, 1 mètre de profond. Autant, du coup, mets la corde, on va la checker quand même parce que. C'est bleu. Cailloux.
back to back. Ah, ça met sur le pied. C'est ça qui est bon. Il a toute la place là-bas et il vient tourner pile là où je suis. Je crois qu'il peut y avoir une rimée là. Hop, corde, vite, corde. C'est là où c'est bien d'avoir un copain. Hein. Balance la corde, vite. Hein. Moi j'ai besoin de savoir si je suis pas très bien, il y a un moment donné je peux me reposer sur, sur l'autre. C'est dans l'alpinisme, c'est hyper fort. Hein. C'est hyper fort. Autobloquant en bas, l'ange dynamique, c'est parfait. C'est un peu une psychanalyse, quoi, faire de la montagne tout seul. Mais non, moi je le vois pas comme ça, je vais en montagne pour m'amuser, pour échanger. Moi je viens du sud, hein, donc on aime bien là-bas partager, c'est plus, c'est la pétanque, tu vois. C'était quoi ce truc là, Tony? Pourquoi t'as fait exactement le même que moi? J'adore! Parce que t'étais prévenu! Fais un coucou, Tony! Coucou, Tony! L'ange, Switch, Candide Movax, qui est bien de skier dans la glace, c'est que du coup tu peux t'assurer partout quoi. Les cailloux sont pas loin, tu fais gaffe. Ton cerveau, il n'est pas fait pour... dire je vais tourner, je vais tomber dans le vide. Donc toi tu as plutôt tendance à vouloir aller en arrière. Et si tu vas en arrière, tu fais que accélérer. Alors que si tu vas vers l'avant, et ben tu vas dominer tes skis. Et c'est ça le plus dur à faire finalement. C'est bien de skier un peu tout type de neige en pente raide, d'être capable de skier un peu sur tous les types de textures, c'est que derrière, tu montes pas toujours dans la face, ça t'ouvre en fait un domaine de ski qui est beaucoup plus grand.
parce que tu sais que tu vas pas être limité par ton niveau de ski, tu vas pouvoir descendre, même si tu as une petite bout de plaque de glace de 10 mètres, tu vas quand même pouvoir faire un itinéraire qui peut être hyper intéressant. Et puis ça limite aussi un facteur qui est quand même essentiel, c'est les avalanches. Hein. À l'époque, Valençan, Anselmo, Chauchouin, toute cette génération-là, ils skiaient quand même des neiges. Il y a de la glace dures. Après. Ça sort. Il n'y a pas de poudreuse. Il y a de la glace après. Hein. Donc le fait de pouvoir skier de la neige assez dure, ça t'enlève un peu une pression, quoi. Celle de l'avalanche. C'est clair. Elias, prépare ta deuxième pioche. Je suis pas fada. Peu de glace là. Peu de dur, c'est bon ça. C'est là où l'entraînement paye, quoi. Que je skie sur une neige dure ou dans une neige poudreuse, je vais chercher à m'amuser. Donc sur une neige dure, c'est sûr que la vitesse va être plus réduite, ça va être plus dans la beauté du geste, un peu comme en escalade. C'est de faire un geste très précis qui t'arrête, qui te met en sécurité, où t'as pas un grand dérapé derrière, où tu peux vraiment maîtriser ta prise de quart. Donc c'est sûr que quand la neige est dure, on skie quand même plutôt doucement, mais on prend quand même énormément de plaisir aussi. Jusqu'à présent, le ski de pente raide, on prend souvent la partie la plus raide qu'on skie et puis on valorise que cet endroit-là, mais ce qui est sympa, c'est de pouvoir aussi skier la montagne de tout en haut à tout en bas. Et par exemple, skier en conditions hivernales où tu as de la neige en basse vallée qui te permet de descendre la montagne du sommet jusqu'en bas de la vallée, ben, tu as souvent des conditions avec de la neige un peu plus dure ou un peu plus glacée dans la partie raide, et si ton niveau technique te le permet, ben, au moins tu peux faire des itinéraires qui sont beaucoup plus allongés. Tu skies pas juste la difficulté.